Allô, allô. Ouais, super nickel. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Pourquoi les bateaux? Ben, en fait, c'est mon image de fond de chat, mon tof. Il y a juste la caméra qui n'a pas envie. Oui, parce qu'elle est occupée sur. Sur ça, hop, voilà. Mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là qu'on veut. C'est pas celle-là. J'ai tout préparé tout à l'heure. Ça c'est un truc qui m'énerve. C'est pas celle-là qu'on veut. Tac, 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 tac. C'est celle-là. Par contre, le son est nickel. Bah, tant mieux. J'ai envie de te dire. Bon bah tant pis, on va mettre celle-là parce que là t'as pas envie de bosser. Voilà. Hey, que coucou. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis jalouse. Hey, tu te rends compte? La télévision, c'est du sans fil maintenant. C'est du sans fil. Par contre, il y a un truc dégueulasse. On va passer en live cuisine tout de suite. Voilà. Mais du coup. Il n'y a plus l'autre. Webcam PC. Propriété. On va mettre celle-là. On va mettre celle-là. Tac, tac. Voilà. Nickel. Et normalement. Hey, salut. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, la forme, tranquille. Je vous vois là. Je vous vois là-bas. Alors, Pretzel, vous inquiétez pas. C'est un bot. Il annonce les musiques. Je passe vu que normalement avec ce logiciel je n'ai plus de problème de copyright. Voilà tout simplement. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un live cuisine de nouveau. Nous y voici, nous y voilà. C'est flou. Qu'est-ce qui est flou, mon coco? Qu'est-ce qui est flou? Trois Tigal pour le prix d'un. Tu connais Tigal 2, tu connais pas Tigal 3, mon ami. Qu'est-ce qui est flou, coco? En plus, j'ai même plus besoin de me dire, on m'entend pas parce que je suis loin. Parce que voilà, j'ai reçu mon système de micro sans fil. La cam de ta tête. Alors, je vais voir ce qui se passe. Ouais, après, celle-là, c'est normal, hein. Elle est en mode. C'est une vieille webcam, hein. Faut pas trop lui en demander, hein. On va lui frotter l'objectif. J'ai déjà chaud. J'ai pas encore commencé, j'ai déjà chaud. Bon, qu'est-ce que ça donne? Bah, de toute façon, c'est une vue pour me voir moi, hein, parce que on m'a dit qu'on ne voyait pas. Bon, allez, j'ai déjà chaud, les gars. Vous savez, on n'a pas encore commencé, j'ai déjà chaud. De ouvrir la porte là, tac. Ça fera un peu d'air. Bon, du coup, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, les gens? 271 follow. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ça commence à monter, ça commence à faire plaisir. Là, ici, n'empêche, ici, là, on a la webcam où on va tout voir et on va très bien voir tout ce qui se passe normalement. Un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là. Je vais pouvoir faire du mixage et tout, tranquille. Elle est où la Charlotte sur la tête? Je te répondrai bien à ta question, mais on est en live, copain. Puis il y a mon fils qui est pas loin. Allez! On va commencer. Du coup, aujourd'hui, deux recettes. Une petite salade coleslaw, tranquille. Voilà, petite salade tranquille. J'ai été chercher un petit chou. Voilà, tranquille aussi. Par contre, la webcam là, je pense que je peux mieux faire pour le réglage parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu foncée. Est-ce que si je fais ça. Non, ça change rien. On va mettre un peu plus de luminosité. Voilà. Que ça donne? Ouais, nickel. Elle est mieux, non? Premier live avec trois cams, les gars. Hein, donc, on va y aller mollo. Et le chat, il commence déjà. Chut. Allez, file là-bas, toi.
Allez. Je suis là-bas. Allez. Et le chat, il veut participer. Allez, donc un coleslaw et une recette que j'adore énormément. La fameuse, enfin, le fameux poulet sauce marsala. C'est, je m'en passe pas de cette recette. C'est un truc de fou. Il manque un couteau. T'as mis où le couteau? Ok. Bon. Excusez-moi pour le bruit, je suis un peu enrhumé d'un coup. Hop. Et du coup, on va tout entendre. Je vais manger. Je vais me moucher. Vous allez tout vivre avec moi, les amis. Tout vivre avec moi. On va attendre qu'il y ait un peu les gens qui arrivent et puis on va démarrer tranquillement. Tout doucement. Hop. On va déjà préparer notre chou pour le coleslaw. On va aller retirer les feuilles qui sont pas belles. Voilà. Oh, il est beau. On va le couper en deux. Je vais pas tout utiliser. Voilà. Hop. On va prendre un cas. La musique est trop forte. Ah. Dites-moi tout. Là, c'est bon, poteau. Peut-être un peu trop baissé. C'est possible. J'avoue que je passe par un nouveau truc, donc du coup, j'ai pas encore l'habitude. Alex, allez, pchit. Je crois qu'on va l'entendre souvent, ça. Alex, allez, pchit. J'ai trop baissé. Non. Dis-moi, là. Dis-moi tout. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le micro est bon? Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que la musique est bonne? Dis-moi. Dis-moi mon tof. Encore un peu. Encore un peu, tu peux monter. Ah. Et là? Ouais, c'est de la musique de fond, hein. Faut pas non plus que ce soit... Ça casse les oreilles. Monte un poil. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, Tof. Coco, nice. Allez, let's go. Merci, les gars. Bon, ça, c'est un, c'est un chou qui a... Il est déjà bien vécu, hein. Putain. Il est pas tout jeune, hein, celui-là. Il est pas tout jaune. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop. Tac. Bon, attendez-vous à des catastrophes pendant le live. Hein. De toute manière, il y en a tout le temps. Je vais chercher mon oignon. Je vais chercher les carottes. Hop là. Ouais, hé. Les gars, le bol de fou, il m'en reste un dans le sachet. Il me reste un oignon dans le filet, putain. Je croyais que j'en avais encore un filet, non, c'est le dernier. Ah ! Ah, le chat, t'as peur, hein, maintenant ? Hop, ça, on réserve. On réserve le chou. Je crois que je vais en faire une choucroute après le chou. Enfin, pas aujourd'hui, hein, parce qu'il faut le temps, mais...
Ah. Il ne fait pas son passage pendant un live, ça ne va plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Bah, tu montes, vous passez, c'est tout, hein, vous pouvez passer. On va vous voir, c'est tout, on va voir. Tant que vous faites un passage, moi ça me va. J'bing, ça bip. Merci, mon cri-cri. Allez. Bon, qu'est-ce que ça dit de beau? Ça, vous avez passé une bonne journée. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il y en a, ils sont déjà en week-end. Hein. Ben, ils vont devoir aller se rendre au boulot, mais. Allez, salut. Hop. Alors, j'épluche mes carottes. Ouais, ça a été une pression aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de déplacer tout le bureau, même si je déplace déjà beaucoup de choses. J'attendais le micro aujourd'hui. Et là, pour ceux qui voient, voilà. Maintenant, c'est du professionnel. Tu es encore mouillé, on voit les crabes sortir de ta poche. Quoi tu parles? Quoi tu parles? On me voit comme ça? On voit mon cul? Ça te donne envie, gros dégueulasse? On va commencer à se méfier pendant les lives. Non. Ça peut rien vous laisser passer, les mecs. Hein? On peut rien vous laisser passer. Allez, on va éplucher l'oignon. Ah, ce que tu vois passer de mes fesses, c'est le petit boîtier de professionnel. Éplucher l'oignon. Voilà. On va le faire tomber dans la poubelle, celui-là, parce que c'est le dernier. Voilà. J'ai bien coulé cet après-midi. Je vois pas de quoi tu parles, mon ami. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Oh non. Il va pas. Pardon. Oh, Toto. J'ai cru qu'il n'allait pas s'entendre. J'ai vu la barre monter sur le PC. J'ai fait, oh pardon. Tout va s'entendre. Bon, plus des écrans, je vais commander un système sans fil aussi. Bah tu. Ouais, bah voilà, tu connais le prix, poto. Tu connais le prix. Allez, on va râper les carottes. Bon, pour ça, je m'embête pas. Hein. J'ai un robot. Hein, tu connais ça, Toff? Salut, ma femme. Ça, c'est ma femme. Voilà. Madame Plaid. Madame Couture. Allez. Du bruit pendant 10 secondes. Parle plus. Tac, tac. Quel est ce bruit? Hop. Quel est ce bruit? J'ai un bruit. C'est le chat qui fait ça?
excusez-moi. Comme en ce moment, il est en période de... Ouais, à fond, à fond. Voilà. Alors, mes carottes sont râpées. On va préparer un petit saladier. Un petit, hein. Hop, on va râper ça après. On va s'occuper de l'oignon. Hop, allez. Hop, voilà. On va réserver la moitié. Ah bon? Il y a des trucs comme ça en plus. Je vais le tarter, le gamin. C'est lui qui tape comme ça. J'ai fait peut-être des trop gros morceaux. On va les fignoler. Peur pour mes doigts, mais t'inquiète, copain. T'inquiète. Ils coupent plus comme ils ont coupé. Faut que je les repasse à la Dremel, mon ami. Hop. Deux P-câbles. Pas un P-câble, c'est deux P-câbles. Peur pour mes doigts. T'inquiète. Je vais juste demander pourquoi le gamin gueule comme ça. Pourquoi il tape comme ça? J'aurais pas de réponse ce soir. J'aurais peut-être la réponse demain. Bon, sinon, qu'est-ce que vous en pensez là? Nouvelle webcam. Une un peu plus professionnelle ici. L'ancienne qui est là. Salut, coucou. Et bah, la webcam habituelle de la... Comment dire? De la... Du PC. Qu'est-ce que... À quoi, malheureux, tu vas finir par les abîmer? Mais non, j'ai un truc exprès pour affûter les lames, copain. T'inquiète pas. Bon, alors là, franchement, je vais être franc avec vous. C'est la première fois que j'essaye ça. De râper un... D'habitude, j'achète le coleslaw, je vous avouerai que je prends des sachets de choux et de... Comment dire, de choux et de carottes déjà râpées. Mais là, j'ai dit, vas-y, y avait un chou au bout de la rue. J'ai dit, il faut que je me lance, hein, de toute manière. Faut qu'on essaye ça. Hop. 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 Ouais, c'est pas beau ça. Dis-moi, c'est pas beau ça, mon ami. Bah, j'aurais même pas besoin de ça, je pense. J'aurais pu même le faire au couteau, tu vois. Comme ça, Toff, il y aura encore plus peur pour mes doigts. Alors ça, on va le garder de côté. Pour faire une petite choucroute. Je vous mettrai photo sur Twitter, tu vois, si j'y arrive. Parlant de Twitter, j'ai oublié mes politesses, j'ai oublié mes vacations, j'ai oublié les amis, c'est pas bien. Je vous joins, voilà. J'ai oublié les copains, voilà. Le live des copains, n'hésitez pas à aller voir, aller faire des follow. Grosse pensée à mon Sam les casquiers, malheureusement, aujourd'hui, à 7h, en train de faire du ménage, et il est en train de bosser comme un damné, le pauvre. Donc je te dédicace cette vidéo, poteau. Chaque fois, il me dit « Ouais, je peux pas être là !» Hier, et en plus, il a formaté le PC jusqu'à 3h du matin. Alors là, les morceaux sont assez longs. On va y aller. Hop.
Voilà. Aïe, mes doigts! C'est celui qui a inventé le clou et le marteau, m'a dit un jour. Voilà. J'ai fait ma vanne de merde, ma vanne de gosse, ma vanne de CP. C'est très bien, je suis content. Il y en aura plus jusqu'à la fin du live, les amis. Ou pas. Parce que maintenant, il y a Tigal 1, il y a Tigal 2 et il y a Tigal 3. Pour ceux qui ont la ref. Allez, hop là. Ouais, et gagne. T'as vu ça, toi? T'as vu ça, mon ami? Il y a des voisins, ils vont être contents parce que... Sachez une chose. Ce que je prépare là... Là, tu vois ce que je prépare là, ici, voilà, tu vois, tout ça. Je suis tout seul à en manger. Encore une fois, je suis seul. Je suis seul au monde. Il y a un chanteur qui disait ça une fois. Hop. Alors là, on est bien. On est même très bien. Hola, Lena. Que pasa? Comment está? Comment Val? Est-ce que ça pousse, dis-moi? Est-ce que bébé va bien? Pas le grand, hein, pas le grand bébé. Le vrai bébé. Malheureuse. Maintenant, tu en as deux des enfants à gérer. Comment ça se passe? Ça se passe bien? ça va, on s'entend bien. Qu'est-ce qui va où? Ah bah mince, je vais aller aux toilettes. Quand je lui disais d'aller avant. Toi, un gosse, tu vois? Gosse, ouais, je vais stream et tout, je vais devoir d'avoir un peu de cam, tu vois, mon petit moment à moi avec les amis et tout, avec la commu. Et je dis, va aux toilettes, hein, vas-y, va dans ta chambre, tu vois. On va tout faire pendant le stream, mais c'est pas grave. J'ai reçu un petit message. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. J'ai oublié de dire que j'ai reçu un petit message me précisant que de faire attention parce que sur Twitch, on ne peut pas faire passer, donc il va falloir que je contrôle les règles, d'enfants de moins de 14 ans. Donc c'est pour ça. Si tu passes là, on ne voit pas. Ouais, c'est cool, gamme, t'as vu? Tu passes là, on ne voit pas. Tu peux aller aux toilettes autant que tu veux. C'est normal, j'ai un micro. Bah ouais, c'est tout neuf, je l'ai acheté aujourd'hui. Eh ouais. Allez, ouais, je fais slam, je vais être présentateur de slam. Heureusement qu'on l'entend pas, le gosse. Hein. Cela pendant le live, le gars, hein, tu vois, tu sais, il monte, il va, hey, baba, il y aura un spécial live avec mon nom, mon prénom. Enfin, j'ai une petite conversation avec cet enfant. Allez. Gars, moi, ça, c'est pas beau, ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. La 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 la. On va m'entendre manger tout, maintenant. Je pourrais plus manger mes croquettes. Mes crevettes, tranquille. Sa pousse, elle va bien. Et oui, deux enfants, ça, mais ça va. La petite est au calme. Ouais, et puis le grand, de toute manière, on est d'accord qu'il dort. Hein. Le micro, il est pas, hein, il est pas un peu trop fort, le micro? Je sais pas, je le vois aller dans le jaune, le micro. On va tous dire ça, mais non. Le petit bébé, pas le grand. Aïe, 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 aïe. Quelle belle bande d'enfoirés. Allez, du sel, du poivre. Ça m'énerve, on ne sait pas ranger où c'était. Tac. Du sel, du poivre, du vinaigre. Et puis, c'est tout. Puis c'est tout. C'est exactement ça. Si, du sucre. Oh là là! Oh là là! Alors, c'est du classique, hein. c'est du fructose, c'est hop hop là, voilà comme ça, c'est du sucre pour diabétique, donc Ah
Voilà. Donc sinon, vous prenez du sucre cristal normal, hein, vous embêtez pas. La mayonnaise. Alors, bon, je fais la mayonnaise maison, mais là, là j'ai. Je vous l'ai montré déjà la dernière fois. Et puis aussi, j'ai dit que je faisais du live avec des choses qui étaient accessibles à tout le monde. Donc, on prend une mayonnaise. Alors moi, je préfère la mayonnaise blanche sans moutarde. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je vous dis, la salade coleslaw, faites-la avec les deux. Enfin, avec les deux. Faites-la une avec une mayonnaise comme là, une fouettée, voilà, une mayonnaise blanche sans moutarde. Et une mayonnaise avec moutarde, et vous voyez la différence, est-ce que vous préférez? Oh, ça y est. Excusez-moi. Vraiment désolé. Hop. Et voilà le chat. Tiens, viens. On va te voir normalement. Viens. Tu viens là? Tu viens là le chat? On fait un live avec le chat qui se pose là? Non? T'as pas envie? Allez, on continue. Cette personne. Allez, on continue à monter les gens. Continue à monter les amis. Allez, on continue. La douce voix de Ne. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est de ma faute, Toff. C'est parce que il y a Logan qui m'a demandé, vous êtes où sur Discord? Et je l'ai laissé en plan. J'ai même répondu. C'est voulu? Oui, c'est normal. C'est pour le coup de grande gueule la dernière fois sans. Comme je ne suis pas sûr, moi je fais confiance à mon pote Sam. Et puis voilà. Allez, un peu de sel. Un peu de poivre. On va être. Là, à mon avis, on va pouvoir être généreux. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais déjà ouvert. Bah bravo. Bah bravo. C'est plus le même groupe, sinon je serais. Venir vous faire coucou. On va arranger ça, Madame Lena. C'est plus le même Discord, c'est vrai. C'est un Discord avec beaucoup plus de restrictions. Parce que au jour d'aujourd'hui, on a promis aux personnes qui étaient sur Discord qu'elles ne seraient plus ennuyées. Et puis comme en fait on ne vous voyait plus, on n'avait pas eu à vous réinviter. Mais vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus. Nemo chat ou le chat dans le frigo? Salut, go! Allez, on va mettre 6 bonnes cuillères de mayo. Hop, voilà. On verra ce que ça donne après. On va y mettre le sucre comme ça se mélangera bien avec le. Ah, mais d'habitude, je la fais à part. Pourquoi je l'ai mis dedans, moi? C'est pas grave, je vais le mélanger dans un autre truc. Hop. On va préparer ça. D'habitude, je fais la sauce à part. Et là, j'étais dans la conversation, j'ai fait une bêtise. Mais elle est pas très grave. Elle est pas très très grave, la bêtise. Hop. Léna, je t'ai invité. Exactement. Mais moi, je suis sûr, il y avait bien dit que pour une fois, il est devenu plus sage. Oui. Oula, 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 oula. Bon, allez. Là, c'est pas pour moi. Alors, on va mettre. Alors, bon. Là, c'est du sucre, en fait, qui a 50% moins. C'est du fructose, donc c'est un peu. C'est un pouvoir plus sucrant que du vrai sucre, donc j'en mets moins. Là, j'ai mis 3 cuillères à café. Vous pouvez mettre le double en sucre classique. Puis on verra après si on rajoute. C'est en fonction de la quantité de mélange qu'on va faire. Bon là je pense qu'on va être bien. Hop. La mayo. On va mettre 3 cuillères. Généreusement. Voilà. On va laisser ça là. On va touiller. On va touiller. Est-ce que j'arriverai à récupérer un peu de mayo sans trop de. Hop. Bon, après c'est pas grave. Voilà, histoire de pouvoir faire un peu de mélange quand même.
Voilà. Ça me paraît un peu léger, hein, vu la quantité qu'il va y avoir. C'est pas... On va mélanger bien. Alors, le sucre, pourquoi? Ça casse l'acidité du vinaigre, mais en même temps, ça va donner du... Le vinaigre va donner le goût qu'on a besoin. Voilà. Hop. Hop. Puis on va bien mélanger ça. Bien galérer à mélanger. C'est déjà du prendre un saladier plus... Un peu plus grand. Maintenant, je peux... Je suis plus puni. Et t'es jamais été puni, Madame Léna. Jamais de la vie. Voilà, là, 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 là. Voilà. Là, ça devient comme j'aime bien. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, pas besoin d'échalotes, pas besoin d'ail. On sent. Alors, on sent fort le vinaigre au début. C'est normal, hein. Et le vinaigre blanc, c'est assez fort. Mais en fait, avec le chou et les carottes, ça va libérer les sucres. Et c'est ça qui va faire l'assaisonnement après. Alors, moi, je prépare la veille pour le lendemain. Donc ça, normalement, en fait, je le mange pas avant demain. Mais là, le temps de faire la recette qui va suivre et tout, on est large. On est franchement, on est large. C'est normalement... Allez, 3 bonnes heures au frigo minimum. Moi, je la fais la veille pour le lendemain. Vrai que pendant le live, on va tenter d'y penser et de remélanger entre deux. Je le fais, je mélange 2-3 fois la première heure, on va dire. Et après, le lendemain matin, et vous allez voir que ça va... Donc là, on n'a pas trop de sauce, on en a un peu dans le fond, voilà. Mais nickel. Nickel. Voilà. Salut mon Robert, comment il va? Ça va copain? Ben ça va, la forme, et toi tranquille. T'es quoi du matin? T'es quoi cette semaine, poteau? Ah! Robert, le 25, il doit appréhender le 25, il reçoit son PC. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Il est pas beau, hein? Il est beau. Il est beau le coleslaw? C'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans à faire. J'ai oublié que je me voyais là-haut. Merde, je me vois de tête. Allez, on met ça au frigo. On va couvrir, pardon, pour éviter que les vapeurs de vinaigre se cassent. Hop. Voilà. Matin, mais je suis flingué, je regarde des tutos OBS, des tutos de mise à jour de carte graphique, plus le taf. Ah bah ouais, bah ça. Mais mise à jour de carte graphique, poteau, t'auras pas besoin. Hein. Ta carte graphique, elle va se mettre à jour tout seul. Hein. C'est qui le concon qui a pas prévu de place dans le frigo? Hein? Parce que c'est son anniversaire demain. Hein? C'est qui le concon? Santé les amis. Il va y avoir du rototo, hein. C'est du Perrier. Un Perrier sans rototo, c'est pas un Perrier. Bon, bah, on est bien. Le coleslaw est fini. On le réserve. On va démarrer la recette suivante. Qu'est-ce que vous en dites? Alors là, je vois déjà arriver Sam. Encore des pâtes!
Encore des pâtes. Mais ouais. Mais il y a tout à faire avec des pâtes. Tout. Tout, copain, tout. Il y a tout à faire. Hop. On va mettre ça au frais pour pas le gâcher quand même. On entend tous les rototos. Faudra que je bide une touche là pour couper le son du micro. Encore des pâtes. Mais ouais, encore des pâtes, mon ami. Mais les pâtes, c'est la vie. T'as vu, je suis un gars du Nord et je fais des recettes de pâtes. Mais là, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Vous accommodez ça avec ce que vous voulez. Hein. Mais je trouve ça meilleur que des pâtes. En même temps, la recette que je fais ce soir, le marsala, les amis, c'est la Sicile, le marsala. Donc, qui dit marsala, qui dit Sicile, dit bah, des pâtes, des recettes avec des saucissons. Et mon ami, tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Mais en fait, non, tu touches pas. Tu touches pas aux saucissons de toffe. Les saucissons de toffe, tu les prends, tu fais des rondelles et tu te régales. Point barre. Tu cherches pas à comprendre. Tu fais rien d'autre. Tu prends, tu coupes, tu te régales. Point barre. Point barre. Il n'y a pas à chercher. Pas chercher midi à 14h. Moi, je suis pas là pour vendre du muguet. Je suis là pour. J'essaie de respecter le produit un maximum. D'éviter le gâchis. Voilà, j'avoue que j'ai jeté un peu de feuilles. À mon goût, j'ai jeté un peu trop de feuilles de chou tout à l'heure à la poubelle, mais. Bon, quand c'est marqué, après j'ai du mal. Mais c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Eh, il y a Alex qui passe. Bah, Alex, vous allez pas maintenant. Regarde. Regarde le chat. Voilà. Tu vois le chat là? Tu le vois? C'est quoi ça? Ah, je vais le bouger. Hop. Eh, le côté pratique de ma cuisine. Tout y passe dans les meubles. Tu les gardes pour une soupe? Le chou? Ah non, non, je vais me frotter à une recette que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais faire une choucroute. J'ai fait une commande tout à l'heure, j'ai pris des saucisses de Montbéliard, j'ai pris des saucisses de Toulouse. J'ai pris des graines de poivre. J'ai déjà le vin blanc. J'ai acheté un vin blanc, des petites bouteilles en plastique pour la cuisine, c'est fait exprès, donc ça ira très bien. Ce mois, il est hors de question que je fasse une cuisine. Comme je ne bois pas d'alcool, ça va être gâché pour moi, en fait. Une cuisine avec des grands vins, Gevers, Raminer, des trucs du genre. Ça serait, ouah, ce serait malheureux de mettre ça pour moi dans une choucroute. Allez. Je bois pas d'alcool. Ça me fait penser. Ça me fait penser. Ça, marsala, voilà, marsala comme ça. Je l'ai trouvé à Auchan. Ah, poteau, je peux pas te répondre, désolé. Je peux pas te répondre. Excusez-moi, je vais envoyer. Ça fait deux fois qu'on s'appelle. Excuse. Je peux pas répondre pour le moment. Je devais le rappeler, je l'ai pas rappelé, fais chier. J'ai oublié. Je te rappelle. Hop, voilà. Voilà. Oui, donc je suis diabétique, j'ai eu des problèmes de pancréas, non pas dû à l'alcool, mais dû à des traitements, voilà, bref. Donc je ne bois plus d'alcool. Ma maman, qui adore la recette que je fais ce soir, lol, tu fais des lives, bah ouais, poteau.
Tout le monde m'a envoyé des messages. Oui, l'ami! On va répondre quand même. On va lui donner le lien. Tac, collé. Tiens. Allez, t'as plus qu'à venir, mon yo. Donc, je disais, je ne bois plus d'alcool. Je ne consomme plus rien. C'est 17 degrés, ça. Donc, je dis ça, je dis rien. C'est assez fort. Voilà. Je sors avec deux bouteilles dans les mains. J'avais que ça. Hein. Deux bouteilles plus une toute petite bouteille de vin pour une future recette. D'un futur live. Et là, t'as les gens qui me regardaient dans la galerie, t'sais, avec les trois bouteilles. Ils se sont dit, le poivreau! Mais je bois pas d'alcool, les gens. C'est ouf, c'est ouf. Allez, on va sortir notre petite huile d'olive. Et salut, Prétista, bienvenue à toi, bienvenue, merci pour ton follow, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un très bon début d'année. Mieux que certains potos qui n'ont pas de bol. Hop, un petit peu d'huile d'olive. Bonjour, bonjour, bienvenue. Comment vas-tu? Dis-moi tout. Comment ça va? Hop, on va sortir le blanc de poulet. Sortir. Là, on va se foutre de ma gueule. Là, on va se foutre de ma poire. Vous savez, les gens qui ont du diabète et du cholestérol, ça va et toi? Je cherchais un live cooking et tu es un des seuls. Eh! Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bah écoute, j'espère que tu vas passer un bon moment, j'espère que tu vas apprécier la chaîne. On vient de finir un coleslaw. Donc, faudra pas hésiter à aller voir la rediff. Et aussi, les lives, ils sont sur YouTube. Tu as le lien normalement juste en dessous dans la présentation. Tu retrouveras toutes mes recettes sur YouTube. Navré, les sons sont coupés parce qu'il y a des fois, j'utilise des choses, des musiques non copyright, et puis du jour au lendemain, elles deviennent copyright. Donc, c'est pas cool. C'est pas cool ce genre de choses. Donc, il faut que je trouve un système. Là, j'espère que j'ai trouvé quelque chose qui va me permettre de passer outre avec le site de Pretzel. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, merci à toi, merci. J'espère vraiment que tu vas te plaire ici. Et merci pour le follow. Hey, chose première, chose due. Salut Martin. Je vous présente Martin, Martin M2X. Allez, n'hésitez pas à aller les voir. Ce monsieur nous fait de l'ambiance de fou tous les matins à partir de 8h moins 10. Non, pardon. 9h moins 10. Ça va bien la forme? Comme il dirait, la banane! Je suis allé m'abonner. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Donc, bagan. Hop, je disais, on en parlait tout à l'heure. On a préparé un petit coleslaw. Et toi, Martin, ça va? Pas trop fatigué? Ça va mieux? Ça s'arrange ton petit rhume? Regardez, sans mentir. Vous voyez déjà le jus que je vous parlais tout à l'heure? Ah, la sauce que ça va faire, je sais pas si on voit bien en fait. Ouais, si on voit bien là. Puis là, voilà, on va bien remélanger. Donc, coleslaw, du chou frais, des carottes fraîches, un oignon, du vinaigre blanc, du sel, du poivre, un peu de sucre pour casser l'acidité. Puis voilà, on a un coleslaw. Mayonnaise blanche pour moi, parce que je préfère une mayonnaise blanche sans moutarde. Maintenant, ce goût couleur. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Hop. Voilà. Deux peccables. Bof. Oh merde. Oh là là. Oh là là, mince. Yo, tu te cuisines. Salut Scorpion, ça va? Donc n'hésitez pas à aller voir Martin, Martin M2X. Une ambiance de dingue tous les matins. Moi j'aime bien parce qu'en plus, j'arrive, j'ai conduit le gamin à l'école. 8h50. Hop, je m'installe, je suis en train de déjeuner. Bon, il y en a qui font du sport, moi je m'engraisse. T'inquiète, je regarde. Salut mon yo!
La forme, poteau? Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je sors ma viande. Non, je dois d'abord faire mes champis, mes champipis, mes champignons. Hop. Allez, on va couper des lamelles. Tac. Pas besoin d'être précis. S'il y avait du niveau sur le live, ça se saurait. Hein. Bon, il y en a, ils couperaient comme ça. Voilà, attention tes doigts. Bah, tu coupes comme tu veux. Moi, j'ai pas fait TAP cuisine. Je reçois les messages en deux fois maintenant. Je pose le lurk car je bosse à côté. Pas de soucis, merci beaucoup. Merci d'être passé, ça fait plaisir en tout cas. Merci d'être là. Oh, ils sont beaux ces champignons. Tout frais, hein, j'ai été les chercher tout à l'heure. Seule chose, c'est que je les ai frottés juste avant. Alors, je voulais te voir faire un tuto cuisine quand Clooney en a parlé. Je voulais voir ça. Ben, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci, en tout cas, d'être présent. Moi non plus, juste tapé charcutier, traiteur mort de rire. Vous savez, les gens, je suis en train de... Toff, c'est un pote depuis bientôt un an, là. Il se passe des trucs de fou, hein, depuis qu'on se connaît. Et c'est lui qui m'envoie les saucisses, là. Les saucisses sèches que vous avez pu voir pendant les autres streams. Il travaille dans une entreprise qui fait de la saucisse, des jambons serrano, des jambons italiens, jambons secs et tout, tout et tout, tout. Lui, il y a la salaison. Et je vous jure, c'est pas du saucisson sec, c'est de la saucisse, mes amis. De la saucisse. Je crois que j'ai trop regardé ce matin, Martin, parce que j'ai mon nez qui commence à couler. Je dois faire comme lui, je dois me moucher. Hop. Allez, un peu d'huile d'olive. Bon, du proactif, hein, parce que moi, j'ai du cholestérol. Tu as un accent, je trouve. Je suis du Nord, c'est pour ça. Le Noir. Moi, je suis un chetemi. Et puis là, on va encore plus l'entendre parce qu'avant, c'était un micro qui était placé à côté de la webcam. Maintenant, j'ai reçu un micro sans fil. La marque Samsung. Tiens, du coup, Martin, on en parlait. Tu me diras ce que t'en penses du son du micro. Christophe me disait que c'était nickel. Faut vraiment que je me bide une touche pour couper le micro. Parce que là, je vais encore devoir me moucher. Excusez-moi. Hop, tant que ça fond un petit peu à feu doux. On va couper le micro 2 secondes. Voilà, heureux les amis. Ouais, je suis pas si loin, ça va. Tu es d'où? Dis-moi. Dis-moi, tu es d'où? Dis-moi, tu as... Allez. Désolé, Martin, mais du coup, j'ai pensé à toi sur le coup. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? M'entends-tu? Ouais, m'entends-tu? Ouais. Allez, on va cuire nos champignons. Tranquille. Voilà. Hop. On va saler poivrer. J'ai mon nez qui gratte. On met du sel. On met du poivre. Hop là. Voilà.
Voilà, hop. Et on va couvrir. Qu'est-ce qu'il y a, chat? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi. Je prends juste un mouchoir pour me frotter le nez, parce que j'ai le nez qui gratte. Nom, prénom, numéro de sécu. Salut Attila, ça va? Comment il va? J'ai 23 ans, je suis alsacien, je bosse en tant qu'assistante commerciale. Ah! Oula! Hello Gunbarrel, comment il va? Bienvenue à toi, j'espère que vous allez bien. Bah ça va, tranquille. Bah je commence à être enrhumé, je sais pas pourquoi, j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Donc, je n'ai pas encore partagé ça aujourd'hui avec vous. Il y a actuellement un concours sur la chaîne pour gagner des lots. Vous avez les lots, vous avez juste à cliquer sur les images. La première, c'est l'image avec tous les lots. Il y a un sac... Il y a un sac besace énorme où on peut mettre un PC 17 pouces, je suis sûr que ça passe dedans. L'effigie de Star Wars. Il y a une lampe vive d'or Harry Potter. Il y a, des pop Dragon Ball Z. Enfin, il y a un pop Dragon Ball Z. Il y a un pop Gollum. Il y a un mug Harry Potter des 4 maisons. Et il y a un mug Mario. Voilà, les champignons sont en train de cuire tranquillement. Demain, j'ai ma sacoche. Oui, le concours est ouvert depuis un mois et demi. Demain, c'est la fin des inscriptions. Le tirage au sort aura lieu vendredi soir. C'est déjà un mois et demi que je vous embête avec ça. Et tout ça avec la participation de... Voilà, Dérive Figurineux. Des gens super, des gens sérieux, ils vous feront des colis de dingue. Tout est emballé, sécurisé, franchement, c'est... Allez-y. Par contre, si vous avez comme moi un petit fan d'Harry Potter, allez-y, mais qu'il soit pas là. Parce que du coup, ça coûte cher. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Je la garde pour après. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais ouvrir... mes paquets de blancs de poulet. On va préparer ça tranquillement. Tac. Voilà. Voilà. Hop. Je vais aller faire un tour sur le site. Eh ben vas-y, n'hésite pas. Va avec le lien que je t'ai envoyé, tu prends à l'inscription, tu tapes Tigal, T-I-G-A-L. Tu reçois un mail avec un petit code promo de 3% des 30 euros d'achat pour ta première commande. Et en plus de ça, si tu atteins les 60 euros, tu as les frais de port offerts par le site. Voilà. Alors, mes champignons sont en train de cuire tranquillement. Voilà, oh là 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 là. J'adore quand ils ont cette couleur. On va préparer notre petit... Tu vois, c'est moi et Sam qui gagnons tout. Il ne peut pas y avoir deux personnes sur le même lot. C'est un lot par personne. Ça, j'ai dit du début, parce que pour donner la chance à tout le monde de gagner quelque chose, il y a plus de 120 euros de lot. Les chances en fonction de la participation et la vie de la chaîne au niveau... Bah voilà. Je ne suis pas une grande chaîne, je n'ai pas... Donc il a fallu réserver ça aux abonnés de la chaîne. Donc abonnement, bits, tout passe. Et j'inscris ça directement sur une feuille. J'ai déjà commencé à faire les étiquettes. Donc voilà. Hop, pour mes blancs de poulet, j'avais senti des petits os. Merci mon cri-cri. Et merci Présista pour ton abonnement.
Bah écoute, tu vois, hop. Chose promis, chose due. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. À peine arrivé, déjà abonné, c'est pas beau ça? Merci beaucoup, merci. Hop. Hop. Du plastoc. Hop. Je vais de ce pas chercher la feuille et je vais t'ajouter dans la liste des participants. Hello. Donc, voici la feuille, voici la liste avec les chances de tous et chacun. Il y en a, ils se sont lâchés, hein. C'est des ouf. Hein. C'est des ouf. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagneront. Je passe sur le téléphone à tout de suite. Ok, mon cri-cri. Alors, j'ai un plaisir de... Je vais au travail. Un plaisir de te voir. Mais merci beaucoup, Scorpion. Au plaisir, bon courage pour le boulot. Tu fais quoi de beau? Dis-moi. Bon, je note le pseudo de Prétista. Et Prétista qui donne des bits, merci beaucoup. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Oh, c'est pas à peine arrivé, c'est magnifique. Franchement, merci beaucoup. Alors, mes champignons, ils sont cuits. Ouais, ils sont larges. Ouais, ils sont larges. Yep, là. On va réserver ça. On va mettre ça là-dedans. Hop. Tac. Voilà. Là, donc, notre poêle, elle a les sucres, les champignons. Puis on va faire notre poulet dedans. Je t'ai mis au ralenti. Oui, je vais mettre ça là-dedans. Tac, on va préparer notre poulet. Hop. Bon, un petit morceau. Hein. Voilà, hop. Serveur, oula. Bah, bon courage en tout cas. Ça c'est un métier qu'ils ont pris cher hein, depuis quelques années. Enfin, depuis 2 ans malheureusement. Je vais passer en cuisine moi aussi et j'ai plus de batterie sur mon tel à cause du télétravail donc je repasse plus tard si tu es encore là. Sinon à demain, merci, merci, merci à toi, merci du fond du cœur. Merci pour ton abonnement à tes bits, une bonne soirée. Et puis enfin, amuse-toi, éclate-toi bien à cuisiner. Et un bon appétit surtout. Voilà, hop, tac, tac. Hop, on va passer au deuxième. On va contrôler qu'il n'y a pas d'os comme tout à l'heure. Voilà, hop. Tout ça, on retire. J'aime pas ces trucs-là. Va falloir réellement que je refasse mes lames. Voilà. Plus je fais avec ça alors que j'ai un couteau exprès juste à côté. Voilà, hop. Et mon yo, comment il va mon yo? Comment va la famille? Yo, c'est un pote d'enfance depuis... Il habite à côté de Nancy. On s'est connu grâce à son père dans le nord. Et depuis, on n'est plus jamais resté sans se donner des nouvelles au moins une ou deux fois par an. Bon, après, il y a la distance, il y a la vie. Il y a un peu tout qui a fait que... Il ne se passe non plus être tous les jours et se voir tout le temps. Mais bon, ça aurait pu être le cas. Oh mon Dieu! Ouh là 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 là! En plus, yo, je pense à toi parce que dans les lots qu'il y a à gagner, il y a un pop Dragon Ball Z. Et je sais que t'aimes bien, enfin, si c'est encore le cas.
Salut Thorin! Comment il va, Thorin? Hop. 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 Voilà. Voilà. Tout ça. Voilà. Comme il y a des petits os. Je peux pas le chat. Puis c'est cru surtout, donc tu vois. Alors, peux pas me lâcher le morceau. Hop, voilà. Allez, mon poulet, il est fait. Mes champignons, ils sont nickel. J'avais mon temps de manger, mais non. On va passer à la cuisson du poulet. Peu d'huile. Peu d'huile avec génération. Générosité, pardon. Allez, feu vif. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. On n'en aura plus besoin. Ça va, mon ami. Quoi de beau? Bah, bye, qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas joué ensemble, dis-moi. Il y a du boulot. Voilà, hop. Salé, poivré. Voilà. Hop. Comme ça, il y en a bien partout. Je prends ça à pleine main, moi. Je prends la serviette. Hop là. Vous imaginez pas le nombre de serviettes que je peux faire la journée quand je cuisine. Hop. Mon huile est chaude. Et on y va. Tac, tac, tac. Voilà du soleil. Reste qu'on voit. Oh, on voit un peu là. C'est bien. Ça me va. Ça me va. Alors, on fait saisir. La saisisation du blanc de poulet. J'en fais pas beaucoup parce que je suis tout seul à en manger. Donc, Ah non, j'ai rien. Enfin, ma femme mange pas la viande. Elle préfère la sauce que la viande. J'ai dit que j'allais venir chercher un truc, mais quoi? Oui. Le marsala. Le marsala. Un bon verre de marsala. Voilà, à peu près 30 centilitres. On va tout faire péter. On va tout faire péter, ouais. Alors, j'ai plus d'allume gaz. On va faire à l'ancienne. Hop. Allez, on saisit bien notre viande. Un peu de gaz, voilà. Hop. Oula. Et pas ça. Santé. Ouais, santé, non. Là, j'avoue que je vais pas. Je peux pas boire ça à 17 degrés. Hein. Puis j'aime pas le goût, en fait, comme ça. C'est. C'est spécial. Hein. À la base, c'est un apéritif sicilien. Donc les mecs, ils te boivent ça comme ça. J'ai pas mis chauffer mon eau pour mes pâtes. Pas bien. Tac. Pour le temps de faire la sauce tranquille. Ah, le temps de reposer. On va vider l'excédent d'huile. Hop.
Ça va éviter au cas où ça éclabousse avec l'alcool. Voilà. Très bien. J'ai retiré ma planche, j'aurais pas dû. Tac. On va mettre l'alcool. On va faire hyper attention. Quand on fait ça, quand on flambe, on n'oublie pas d'éteindre la hotte, hein, surtout. Parce que si vous aspirez les flammes, avec tous les gras qui sont à l'intérieur sur les filtres ou quoi que ce soit, même moi, pourtant, j'ai un... C'est un système métallique, mais derrière, c'est un filtre à charbon, donc on ne sait jamais. Faites super gaffe avec ça. Faites super gaffe avec ça, parce que ça prend dedans, en fait, et on s'en rend pas compte. Et après, bah voilà, c'est parti. Je ne vais pas me porter la poisse, hein. C'est pour ça que je prends toujours le couvercle, si jamais il y a un problème, hop, on ferme, et puis c'est tout. On prend les 5, non, on va pas prendre les 5 heures quand même. Allez, bon, ma viande, elle est saisie un peu. De toute façon, elle va pas être fort cuite à cœur. On y va, on balance le marsala, hop. Voilà. Un bon verre. Hein. On balance à fond. Bon, vous n'avez pas d'allume-gaz, vous n'avez pas de briquet, vous n'avez pas de spaghetti. Vous prenez un spaghetti ou des brochettes en... Hop, je montre là, des brochettes en bambou. On allume ça. Oh, pas allumé. Voilà. Et on y va. Tranquillement. Ah, c'est pleine surveillance. C'est pas beau ça? C'est pas beau! C'est beau. Hop. Vous voyez, dès que je retire du gaz, donc le gaz est à fond, hein, donc ça chauffe. Normalement, là, on est bon. Il n'y a plus grand chose. Voilà. Un poquito! Il y a de la résistance, monsieur. Hop, on va mettre sur le grand gaz. Hop, continue. On va jusqu'au bout. Hein. On retire le maximum qu'on peut. Voilà, vous voyez. On a toujours un peu. Hein. Voilà, j'avoue qu'on avait mis la dose. Hein. C'est bon. J'espère fumer. On va éviter d'allumer l'alarme incendie. Hein. Voilà, donc là on est bon. Hop, voilà. Eh, salut. Il semblerait qu'il y a... Tu donnes faim, envie de flamber des gambas. Eh, t'as vu? Putain, et il y a le truc qui s'est... Il s'est ramassé. Il y a la webcam, je sais pas pourquoi elle s'est ramassée là. Sans doute les vibrations de... Hop. Tac, tac. On était comment tout à l'heure, dites-moi. On se voit plus. On me voit plus. Là, tac. Tac, 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 tac. Tac, j'étais comme ça tout à l'heure. Voilà. Là, on est bien. On remonte un peu. Là, tac. Voilà. Excusez-moi. Tu donnes envie de flamber des gambas. Eh, mon ami. Ah! Il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Ouh! C'est fou. Bon, allez. Tac.
mettre notre blanc de poulet parce que sinon ça va être trop cuit, ça va être sec et tout. Donc là, vous voyez la couleur du poulet. Ouhouhou. Voilà. Ouh là 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 là. Je vous dis pas les odeurs, mes amis, mais les odeurs. Tac. Tac. Mets ça là pour les pâtes. Maintenant, on va faire réduire ça. Pour vraiment garder que les sucres. Faudrait que je vous fasse... Bonne idée, ça, les gambas. Bonne idée, les gambas. Tu prends les gambas. Bon, forcément, elles ont été décongelées, mais bon, parce que c'est dur d'avoir des gambas fraîches par ici. Comme à la dernière fois, tu vois. Tu les flambes au whisky. Un peu de crème. Hop, des pâtes. Encore des pâtes. Bah ouais, bah des pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Une petite rasade. Bon, on va pouvoir changer de gaz le temps que ça réduit tranquillement. Hop. Ouais, puis non. De toute façon, on est en avance, là. Ouais, on est large en avance. On va faire réduire ça. De toute façon, la sauce... plus vous allez la garder au plus non j'en ai oh. On verra ça après. Hop pour mes pâtes, mon eau elle est chaude, et t'imagines Prétista, je vais avoir du mal avec le pseudo, désolé Prétista, arrivé aujourd'hui, découvre du live aujourd'hui, follow, abonnement, beat, et demain tu gagnes. Bah demain, fin du concours, et vendredi soir, tirage au sort avec le fisson, et tu gagnes. Tu vas en faire rager. Oh là là, oh là là. Mais en tout cas, c'est le jeu et ça fera plaisir. En tout cas, je suis franchement super content de pouvoir vous faire gagner tout ça. Trop de gras, là. Vraiment trop de gras. Comment on va faire? Déjà, on va goûter. Ouais, ils sont super bons. Ces champignons. Des champignons classiques, hein, mais... Je peux en bouffer tous les jours des champignons. Tous les jours. Bon, désolé pour Pretzel qui vous annonce tout le temps les musiques qui passent, mais ça me permet normalement de ne pas me faire strike. Parce que j'avoue que j'en ai un peu marre. Je suis pas vraiment sûr de continuer tant que je trouve pas de solution sur YouTube pour les musiques. Parce que, en fait, comme les musiques sont intégrées à la vidéo, du fait que je fais ça, c'est des musiques live et pas des tutos où je rajoute la musique par derrière. J'ai pas vraiment de solution encore pour le moment de savoir retirer la musique sans... on va dire retirer le micro, et du coup ça fait que bah, dans mes vidéos YouTube et ben bah, il y a plus il y a des les sons sont coupés en fait on laisse un peu. Oh bah décidément excusez-moi, on va couper le micro encore une fois, je vais vraiment binder une touche en plus j'en ai une. Non mais je dis ça, en plus le pire c'est que j'ai une touche pour le micro en fait. Ça qui est ouf, ça qui est dingue. Ça va encore en faire de la vaisselle. Hop. Vous êtes bien calme là ce soir les gens. Vous êtes très calme. On va sortir la crème fraîche. Bon, c'est pas celle que je préfère, mais j'ai pas trouvé mieux. Euh...
Ouais, 2, 1,5, 2. 1,5, 2. 1,5, 2. Allez, avant de passer à la crème fraîche, on va continuer notre petit coleslaw. Voilà. Oh, il a des... Hey. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. Je fais ça, hop, ouais, le niveau de jus par rapport à terre, il y en avait dans le fond. Oh là là. Magnifique. Non, j'aime pas cette expression. On dit magnifique aux femmes, à ce qui paraît, pas un plat. Voilà, hop. Non mais oh, l'odeur, hop, on réduit ça, c'est so good. Allez, on va ajouter la crème fraîche. Enfin, là, c'est de la crème semi-épaisse, crème fraîche. On évite juste la crème liquide. Voilà. Ouah. J'ai remis le micro. Ouais, ça va. J'ai bien bossé. Hein. Tout de suite. On commence à sentir un peu de professionnalisme. On va mélanger ça tranquillement. Voilà. Hop. Tranquillement. Perso, j'arrive du boulot, alors je me pose tranquille, je parlerai plus tard. Ça va la journée, bah du coup, crevante, je présume. Voilà. Hop, peut-être mis un peu trop de crème, c'est pas grave. Ça va réduire, ça va prendre les sucres. Hop. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses du son, Thorin? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du micro? Est-ce que le son est nickel dans le micro? Je prends les retours de tout le monde, même si on l'a déjà dit tout à l'heure. Mm-hmm. Manque un peu de... Hop, on va saler. Micro parfait. J'ai investi, Thorin. J'ai acheté un... Hop. Peu de sel, un peu de poivre. J'ai acheté dans un micro sans fil. Je sais pas si tu peux voir. Voilà, regarde, tu vois là. Là, on le voit là. En fait, moi j'ai tellement de titres là-bas que je vois rien. Et j'ai eu peur parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. C'est ouf. Donc là, en fait, c'est un bazar. C'est la marque Samsung. C'est émetteur-récepteur. De toute façon, on va le voir, voilà. Et c'est récepteur USB, 20 heures d'autonomie, 2 piles LR6. Nickel le micro, sauf par moment, ça crépite. Ah, c'est peut-être parce que le micro est trop fort. Je vais le baisser un chouïa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Peut-être parce que, en fonction de comment je parle, je vois que ça passe dans le jaune, tu sais. Je passe dans le jaune, à mon avis, c'est pour ça que ça crépite. Mais sinon, ce qui crépite, c'est peut-être ce que je cuisine aussi. Bon, on a, par contre, depuis tout à l'heure, on me dit rien et Toff me l'aurait dit, je pense. T'es le seul à me le dire. Je pense plutôt, c'est quand tu t'éloignes. Et là, du coup, c'est pas assez fort. J'ai pas remarqué, je pense plutôt c'est quand tu t'éloignes. Mais le micro il s'éloigne pas, il est là, il est sur moi. Peut-être parce que je suis loin du hasard, tu crois? Alors tu sais ce qu'on va faire. Hop, je vais profiter qu'on est ensemble. J'ai 2-3 minutes tranquille. J'ai un truc, je vais augmenter son. Bah le gain il est déjà à fond, donc ça c'est fait. Retourne dedans. Petit tournevis, s'il te plaît. Voilà. Voilà.
Ce sont les oreilles d'Attila qui crépitent, je pense. Ah, merci Thorin. Oui, parce qu'on est aussi sur un live où on est des, il y a des gens qu'on se connaît bien à travers les lives. Du coup, même les lives d'Attila, regardez. Hop, je fais ça, je partage le lien des copains. Attila, il est là. En fait, j'ai le chat partout, moi. J'ai le chat, il est là quand je regarde, il est là quand je cuisine, quand je prépare. Toi, c'est beau. Allez, on va laisser réduire la sauce tranquillement. Voilà, on va la changer de gaz. C'est soit un gaz inférieur. Il est crade, mon gaz. Ah, j'aime pas ça, moi. On voit qu'on a flambé. Hein. Hop. Voilà. Ah, ça, c'est ma... C'est moi, ça. Aïe, aïe. Voilà. Hop. Je te jure, j'en ai marre. J'en ai marre de ces poils de chat partout. Le chat, il n'est pas là, il y a des poils qui arrivent, c'est un truc de ouf. Hop. On va essayer de réduire ça tranquillement. Donc pour 30 centilitres de marsala, vous comptez allez, au moins 30 centilitres de crème fraîche. 30-30, c'est bien. Là, j'ai mis 40, donc elle est un peu plus... Ouais, elle est un peu trop. Alors, si jamais, c'est pas un drame non plus, remets le son comme avant, tu as un poil trop baissé. Et tu vas être casse-couille jusqu'au bout? Allez, je remets le son comme avant. Tac, voilà. Après, c'est de la façon dont je parle aussi. Hein. Là, oui, d'accord. Merci, les gars. Si jamais vous sentez que c'est pas à votre goût, vous pouvez en remettre un peu. Hein. Moi, je suis gourmand. Hein. Mais là, c'est pas grave si vous le flamblez pas. Hop. Pas trop, parce que du coup, c'est fort. C'est assez amer, donc... Hop. Voilà. Allez, on va laisser réduire ça tranquillement. Le parfum, les amis, le parfum que ça donne. C'est ouf. C'est ouf. Hop. Allez, dans ma casserole à côté, on va préparer pour cuire les pâtes. Qu'est-ce qu'on fait comme pâtes? Vous avez une envie particulière sur les pâtes? Alors quand il est parti vers l'évier, ça craque un peu. Donc si je viens là, on va y aller, hein, on va tester. Donc si je viens là, ça crépite. Ça craque. Je suis trop loin du coup. Normalement, le bazar, il a une portée de 20 mètres. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je me sors de la poche, peut-être. Voilà, il y a une petite pince. Dites-moi tout. Il est où le truc? Il est là. Ça, il est bien installé. Dites-moi. Ouais, ça crépite. Et là, si je reviens tout près, c'est bon. Quand tu frottes peut-être le récepteur. Je vais regarder ça. Je l'ai. Alors. Sans mentir, j'ai reçu le micro à 4h moins 10. Je l'ai pris, je l'ai branché, je l'ai installé, je l'ai testé. J'ai réglé les volumes. Et je suis venu. Donc du coup, en fait, je ne sais pas. Je vous avouerai que je ne sais pas. Maintenant, si. Normalement, il est donné pour une portée de 20 mètres. Bon, là, je suis quand même à... Allez, je suis à 5 mètres, mais... C'est dommage. Bah, du coup, sinon, je pas... quand je serai loin, je ne parlerai pas. De toute façon, si je vais là-bas, c'est pour chercher des mouchoirs ou des trucs, donc... Désolé. Mais merci du retour, en tout cas, ça fait plaisir. La qualité est bonne. Ça, c'est ce que je voulais, donc après... Après, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que... Alors, je peux même pas dire de... Ah, bah si, je peux. Vous inquiétez pas, je sais ce que je vais faire. Alors, des pâtes fraîches avec ça, oui, mais là... J'ai pas eu le temps de préparer ma pâte à pâte avant. Mais en plus, j'ai des pâtes fraîches dans le frigo, mais comme ça va être réchauffé après, je vais pas faire ça.
Faites ça avec les pâtes que vous souhaitez, hein. Dans tous les cas. Tagliatelle. Moi, je préfère ça avec les tagliatelles. Tagliatelle ou linguine? Linguine? On a des linguines. Ou des capellini? J'ai trop de choix dans ce bazar. Allez, pour un coup, on va faire... J'allais dire, j'ai pas de linguine. Tu vas me dire, j'ai pas de linguine. C'est sérieux. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. C'est sérieux. Linguine. Linguine. Yeah. Le paquet. Nickel. Là, ça doit crépiter à mort. Ah, deux sur les oreilles. Deg. Gal, tu demandes, je réponds. Peut-être ton t-shirt qui frotte contre le câble. Peut-être que c'est ça. Alors, j'ai passé le câble en dessous du t-shirt. Pour pas que ça se voie trop. Ah, ça m'embête. Mais je vais trouver, hein. Y a pas de souci, je vais trouver. Mon eau, elle est bonne. Mon eau, elle était plus chaude, du coup. On va faire chauffer l'eau. Et merci, les gars. Ouais, des pâtes fraîches. Franchement, j'aurais dû faire. Mais comme j'ai voulu faire un coleslaw avant. Hop. On laisse réduire la sauce tranquillement. Là, on laisse s'épaissir. Et après, on va remettre notre viande. Mais ça le fait pas tout le temps. Ça reste clairement net quand même. Merci. Merci, merci. Yatof, il a cru que j'allais jouer avec ça tout le temps, mais non. J'allais mettre mes écouteurs, mais jamais de la vie. Moi, tout ce que... Ah, je sens qu'il tombe, la pince. Ah, là, j'ai l'impression que ça tombait. Allez, on y va. Hop. Tac. On est bon. On va préparer. Vous allez dire, mais pourquoi il prépare une petite poêle? Parce que mon fils n'aime pas ça. Et là, ça va être la petite surprise pour lui. Il va manger ces fameuses... Ces petites pieuvres. Voilà. C'est combien de temps? C'est 11 minutes. Nickel. Je dois filer. Belle soirée. Merci Martin. Merci d'être passé. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller voir Martin. Martin M2X tous les matins. Il nous mixe, il nous passe de la musique de tout genre. C'est une ambiance de dingue. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait super plaisir en tout cas. Tu me mets une pression quand tu passes à chaque fois. Ce monsieur, il a 6K6 de follow. Il vit pleinement de sa passion. En plus, maintenant, aujourd'hui, il vit pleinement du stream. C'est complètement fou et je lui souhaite pleine réussite en tout cas. Merci beaucoup. Le volume est parfait. Là, au moins, d'habitude, c'est pas assez fort. Ah, mais sur les lives de jeu. En fait, les lives de jeu, ce qu'il y a, c'est que je suis un joueur qui n'aime pas. À part sur des jeux de FPS, on va dire, que là, t'as besoin du son, t'as besoin d'entendre ce qui se passe. Lui, je l'arrache, j'ai pas besoin. Mes sons sont vraiment... Alors, tout mon Windows est à 100% et je règle mes sons en fonction. Parce que j'ai les oreillettes et je n'ai marre de me flinguer les oreilles. Et j'avoue que du coup, dans le live, ça s'entend parce que mes sons sont trop faibles. Allez, on y va. Tac. Tac, hop, plus un petit peu de celui-là, voilà, voilà, hop, putain, je crois que vous êtes tombé encore, c'est ouf, hein, elle va pas survivre,
Elle, je vous jure, elle va pas survivre. Tac, tac. Je vais l'orienter comme ça. Tac. On est bon là ? On est bon, ouais. Elle va vraiment pas survivre cette. Je lui donne deux lives de survie. Je suis toujours à 20%. Oreille trop sensible. Ah bah pareil, je suis dans le même cas. Du coup, j'oublie mes pattes. Allez. Tac. Voilà. Tac, tac. 11 minutes. Ça a bien le temps de réduire. On va être bien synchro. Tac. Elle est pas de vous rester dans la casserole. Hop, on va attendre que ça ramollisse un peu. Voilà. Hop. Tac. Enfin, je dis ça, mais j'en ai encore au moins. J'ai encore des pieuvres. Ouais, encore un paquet. C'est bon. Deux pécables. Ah, la musique, j'ai l'impression qu'elle est là pour faire dormir. Et du coup, quand je lance un jeu, je me fais sur ce. Mais c'est pareil. Ah, d'habitude, seul le son de ta voix est bas. Le son des jeux et ta musique, c'est bon. Et je te l'avais déjà dit, avec ton stream, je me suis obligé de monter le son par rapport à tous les autres streams sur Twitch. Moi, je suis obligé de pousser le volume pour entendre la musique, sinon mon volume habituel, je l'entendrai pas. D'accord. Je vais regarder. Après, voilà. OBS, le problème, c'est que le truc volume, c'est en fonction de tout et rien. Donc, si je reste, à mon avis, sur les volumes cuisine, bah, c'est un peu bas. Mais je vais bosser là-dessus. Merci, toi. Bah demain. Hey, bah demain. Normalement demain, si tu vois bien, si c'est la forme, si je vais bien. Demain, c'est le dernier jour du concours. C'est demain, je prends un an de plus. Donc du coup, j'ai prévu de stream toute la journée avec vous. Toute la journée du matin jusqu'à 16h30 au moins. Pour... Et c'est un maximum de chance à tout le monde de participer au concours, bien sûr. Et aussi passer une journée de dingue pour mon anniversaire. Donc, wouhou! Demain, ça va être... Enfin, en plus, je suis dégoûté. Je voulais faire gagner des choses en plus. Et malheureusement, voilà. Je ne peux point. Je ne peux point. Je me suis lâché la semaine dernière sur le live et... J'ai fait gagner des choses, bah, enfin tant mieux, je regrette pas. Hein. Mais j'aurais dû garder pour demain, pour la journée spéciale, et voilà. Ça c'est mon jeu, ça c'est bon. Là on est bon. Là ça va bien réduite, voilà. Ouais bien, qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle donne cette sauce? On va la goûter avant. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Et elle sera encore meilleure après qu'on aura rajouté les champignons, parce que les champignons, ils vont encore lâcher leur jus. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bon. Tu aurais dû demander des codes à gagner à Wargaming, mais ça rien à... Ouais, oui, c'est vrai, mais bon. Voilà. Wargaming fait partie de... World of Warships fait partie d'un des jeux que je stream, donc... J'ai pas envie qu'on me prenne... à dire... un streamer que de Warship, en fait. Parce que je ne fais pas que ça. La preuve, aujourd'hui. Mais sinon, ouais, c'est... Après, ça m'étonnerait que... à grandeur de ma chaîne, il m'aurait donné quoi que ce soit.
Là, comment c'est beau. Moi, perso, ils m'en ont déjà filé. Ouais, bah, il est trop tard, là. Dommage. J'ai pas... Je savais pas qu'ils faisaient ça. Eh, regarde ça, mon ami. Ouh là 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 là, c'est pas beau, ça. Oh, les odeurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais. Après, je sais même pas qui c'est qu'il faut contacter pour ça. Donc, après, pas... enfin, Tila, t'as combien de cas sur ta chaîne, sans mentir? Je suis qu'à 272, c'est déjà énorme, hein, mais pour moi, c'est énorme. Mais après, je sais même pas qui c'est qu'il faut contacter pour ça, donc. J'essaierai ce soir, on sait jamais, hein, si j'arrive à trouver la personne. Faut contacter Tanatoy, le community manager français des Wargaming, division Warship. C'est pas Maconiel? Marconiel, pardon, Maconiel. Maconiel, voilà. On va éviter d'écorcher son pseudo. Je vais... Si jamais, Tila, ça te dérange pas, poto, tu peux m'envoyer son... S'il a... Les deux, mais moi, je suis toujours passé par Tana. Ok, tu peux m'envoyer son lien de sa chaîne ou le moyen de le contacter. Je vais essayer d'envoyer un message ce soir si j'arrive à vous faire gagner des trucs demain. Eh, ce serait le panard. Ce serait le panard. Ce serait ouf, hein. Ce serait ouf. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est des petits lots du week-end. C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça. C'est, ça serait ouf. Si tu peux me MP ça, soit sur Discord ou sur, sur Twitch. Je te remercie grandement en tout cas de l'info. Du coup. Et salut Xavem62, merci pour ton follow, comment vas-tu? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un très bon début d'année. J'espère que tu as la santé. Bienvenue à toi sur un live de cuisine de bas niveau. Voilà, mon coleslaw, il doit être bientôt... Vu déjà comment il était tout à l'heure, ça va être nickel. Mais mon poulet, tranquille. Là, ma sauce, elle va prendre... Elle est en train encore... Allez, elle est épaissie, mais là, les champignons, du coup, vont dégager encore un peu d'eau, mais... C'est ce qu'il faut. Comme ça donne le goût. 18h42. Très bien. On est plus sur... Elle sait à quoi ta poêle avec le beurre. Je peux pas te le dire, il y a mon fils qui passe. Sauve-toi. Là-bas. Là-bas. Salle de bain, c'est là-bas. Salut ma femme. Tu fais de la chimie? Très bien. Merci. Merci Attila. Bah, attends, le temps que ça cuisasse, j'ai peut-être le temps de l'ajouter sur Discord. On voit où les MP là-dessus? Chuchotement, voilà. Là. Ah, j'arrive pas. Bah, je vais faire un mix des deux. Excusez-moi, vous voyez mes cheveux. J'essaie de l'ajouter. Hop. On va essayer de pas trop montrer à l'écran non plus. Hein. Voilà. Hop. On va faire comme ça même. Tac.
Préviens-le que je vais l'ajouter si tu veux bien. Si ça te dérange pas, Attila. Ok. Excusez-moi. J'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est envoyé. Voilà. Tac, tac. On est bon. Je peux quitter Discord. Merci Attila. Je lui envoie une demande. Parce que je présume qu'il faut l'ajouter pour pouvoir lui parler. Parce que sinon, il doit être. Bouh! Il doit vraiment être. Dans tous les sens. Mais pas devant la tête cuite. Deux-pécables. Parfait. Tac. Alors pourquoi une poêle avec du beurre? Je vais te montrer, mon ami. Je vais te montrer pourquoi. On va prendre ça. Si vous avez des enfants chez vous, hop, prenez deux knackis. Ouais, je l'invente pas, hein. C'est connu ce que je fais là. Hein, mais. Tac. Il est pas co pour l'instant. Ouais. Bon, après, je suis pas sûr qu'il puisse sortir des codes comme ça la veille pour le lendemain, mais bon. Merci. Hein. En tout cas, c'est vraiment super de ta part, Attila. Il me faut un couteau. On met chauffer la poêle au nom d'une scie poêle. Hop. Tous les sucs sont sur les bords. Hop, on va bien gratter. Voilà. Tac. Là, vous coupez en deux. Vous mettez deux doigts. Voilà. Et pas d'esprit mal tourné. Tac. J'aurais dû frotter ma planche, elle est dégueulasse. Tac. Ouais, une autre fois, ouais, pas de soucis. Hop, mes pâtes sont cuites. On va mettre ça là. Tac. On va commencer à préparer son. Ses assiettes. Tac. Hop, ça c'est chaud, nickel. Bah, ça sale est nickel. Oh là 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 là. Mes pâtes sont cuites. J'ai juste 30 secondes au temps de cuire ça pour le petit. J'ai oublié un truc. Dans quoi on va mettre ça? Grande ça, hop, voilà, tac, mettre ça là-dedans. Tac, un peu de salade de blé. Allez, j'aurais dû la laver avant, franchement. J'ai vraiment été une feignasse sur le coup là.
Voilà. Hop. Voilà. À trier. Tac. Donc là, ça va aller vite. Tac. Voilà. Un poquito de salade. On va mettre cuire nos knacky. Hop, sans salade, ça serait bien. Sans se cramer les doigts aussi, ce serait bien. Voilà. Ça, on peut retirer. Si on a besoin ça, tac. Voilà. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. On va mettre égoutter les pâtes. Voyez, regardez. Vous allez voir pourquoi je dis des pieuvres. Commencez à comprendre. Tac. Mes pâtes sont cuites. Nickel. Tac. Voilà. Chaque fois que je fais un live cuisine, je sens vous mentir. D'ailleurs, je suis rincé. Hop. Bon, à feu vif. Hein. On y va. Hop, tac. Ça a cuit d'un côté, ça a cuit de l'autre. Voilà. Tac. On redresse les pattes. Allez, on redresse les pattes. Allez, on redresse les pattes. Voilà. Tac, celle-là, elle va être dure. Voilà. Voilà. Tac. Là, mes petites pieuvres. Parfait. On coupe le gaz. C'est parti. Tac. Voilà mon coleslaw. Bon, il sera meilleur demain. Hein. Vous laissez jusqu'à demain. Ouais, le jus. Tac. Hop. Donc, il y a de jus. C'est bon signe, ça. Voilà. Un peu de jus. Tac. Ouais, allez, file par là. Dépêche-toi. Voilà. Voilà. Tac. Mon coleslaw est servi. J'entendais parler, mais c'est dans la musique qu'on entend parler. Tac. On est bon. On est bon. On va servir les pâtes. Tac. Hop. Il y en a qui vont tomber à côté. Hop. Bouge pas. Bon, allez, hop, cassez-vous. C'est pas grave. Alors, pas trop pour le gamin parce que il mange rien, lui. Hop. Voilà. Hop, ma fourchette. Tac, tac. Petit effet. Tombé. Voilà. Ma cuillère, elle est où? Tac. Hop. On y va tranquillement. J'en fous à côté. Voilà. Un peu de sauce. Voilà. Hop. Bon, comme d'hab, moi je suis pas un pro de la présentation. Et c'est toujours ça de gagner.
J'étais en train de prendre des cours de dressage, vous inquiétez pas. Là, j'étais radin, là. J'étais radin. Tac. Tac. Hop, voilà. Un peu de verdure. On a de la verdure, là? Moi, je vais. Tac. Hop. Tac. Tac. Elle va finir comme ça. Ouais, nickel. Tac. Voilà. Peu de verdure. Voilà. Hop, on met ça là. On va mettre nos saucisses. Tac, nos petites pieuvres. Tac. 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 Hop, voilà. On va prendre. Hop. Voilà, c'est. Tac, tac, ça fait m'embête de salir ça pour ça. Hop. Voilà. Voilà. Allez, on a fini les amis. Juste un peu de déco pour le gamin. Voilà. Avec sa pointe. Hop. On fait un œil. Hop. Tac. Tac. Ketchup, c'est un peu plus de mal à tenir. Hein. Un gros œil, lui. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Le gamin, il mangera ses knackis avec. Voilà, les amis. Pâte marsala. Va commencer dans l'ordre. Petit coleslaw, tranquille. Voilà, ma recette ce soir. Pâte marsala. On retrouve les infos sur Twitter, la recette sur YouTube. Et les pieuvres. Allez, je vous montre là-bas aussi. Hop là. Voilà. Les petites pieuvres. Et le coleslaw. Salade coleslaw fraîche. Carottes. Chou râpé, oignon, mayo. Voilà les amis, ce fut un plaisir encore de passer ce moment avec vous. On va faire son céréal killer photographique. On va retirer ça. Puis on va publier ça après. Hein. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi comme d'hab, super. Franchement super. Hop. Tac. Nickel. On fait la photo de dessus. Hop. On essaye. On va couper ça après. Tac. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, petite photo comme ça. Nickel, tac. Et tac, voilà. Je reviens avec vous tout de suite. Miam, bon appétit. Merci beaucoup. Parfait, merci. Voilà, nickel. Il n'y a plus qu'à servir ça. Tiens, Lucas, tu peux manger.
Mange. Moi, tant que tu manges ça, j'aurai le temps de tout faire après. Mais qui met toujours 10 heures à manger, au moins lui c'est chaud. Voilà, parfait. Nickel. Je vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Donc pour les gens sur YouTube, j'espère que bah pareil, hein, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Ramène des couverts. Ramène des couverts. Tiens, hop. Hop. On va mettre tous les couverts à table. Voilà, tiens, et voilà de la sauce, mayo, ketchup. Hop là. Bon appétit. Allez, faites des gosses. Ça, c'est pas attendre. Merci à tous. Je vais vous abandonner là. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Oh, la tenue, t'as vu? Allez. Est-ce qu'on a, on a quelqu'un en stream? Est-ce qu'on a un ami? Est-ce qu'on a un poteau en live? Est-ce qu'on a quelqu'un en live? Que je puisse vous envoyer là-bas. Bah allez, on va vous envoyer là-bas. Bougez pas. Ça vous fait des points de chaîne en plus. Allez, je vais vous renvoyer là-bas. Encore une fois, avec ce monsieur qui fait de la musique Total Impro, qui a fait... comment ça s'appelle? Il a fait The Voice. Ça fait deux fois que j'envoie là-bas, mais là, sinon c'est Trinity ou du bateau. Bon, après un live cuisine, on va éviter hein, des bateaux, sinon vous allez être malade. Sinon vous allez être malade. Donc je vous envoie là-bas. Merci de votre présence. Ah, j'ai pas vu. Ah merde. Ah bah voilà. Pas trop tard. La prochaine fois, promis, je vous envoie là-bas, toi. Excuse-moi, j'avais pas vu le message. Je viens de le voir. Merci du fond du cœur, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié le live. Bon appétit à vous, bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci pour les nouveaux follow. Merci pour les bits. Merci à tous. Ciao, ciao. Allez profiter de ce monsieur. C'est une tuerie. Il fait de la musique, il fait tout. C'est tout lui-même et franchement, c'est dingue. Allez, ciao, ciao, des bisous. Bonne soirée à vous. Juste après le générique de fin, hein. Comme d'hab. Ciao, allez. Bonne soirée, bonne app.